Good morning, Aleidan et Messieurs, aujourd'hui le Nishmat Machlouf, Ben Masoud, Nachman Youssef, Ben Achoum, Avraham, Chayin Orba, Ben Fortune, Mazaldo, Ben Yodit, Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Amid, Perek Hei Mishnah. Hey! Mi Shazacha Ba Marta Natal Martat Akesef, Ve'ala Le Roche Misbeach, Ufinat Agechalim, Heilach, Ve'elach, Ve'chata, Yarad Ve'eran Le Toch Shel Zahav, Nitpazer Mimena, Kekav Gechalim. Ve'aya Mechabdan Lama, בשבת היה כופה עליהן פסחתר. ופסחתר היה, הייתה כלי גדול מחזקת לתך, ושתי שרשרות היו בה. אחת שהוא מושך בה ויורד, ואחת שהוא אוחז בה מלמעלן בשביל שלא תתגלגל. ושלושה דברים הייתה משמשת, כופין אותה על גבי גחלים ועל שרץ. בשבת מורידין בה את הדשן מעל גבי המזבח. Je situe très rapidement la Mishnah où on en est, parce que on va faire entrer maintenant plusieurs éléments qu'on a découverts depuis le Perek Rishon et tout au long en fait de Tamid. On se concentre, le but de notre Mishnah est de continuer à nous préciser la manière dont on faisait brûler la Ktoret au Mizbeach. Depuis le premier tirage au sort de la Tourmat Deshen, on avait vu ensuite comment est-ce que le Kohanim préparait les bûchers sur le Mizbeach. On en a vu qu'il y avait deux. Il y avait la Maharah Hagdola, le grand bûcher où est-ce qu'on faisait brûler toutes les korbanotes. Et le deuxième, c'est la Maharah Shnia Shel Ktoret, on appelle ça. Il y a marqué ici, dans ce que vous aurez dans votre PDF, Maharechet Ktoret, Maharah Shnia Shel Ktoret, on l'appelle dans la Breita, dans la Memra de Abaye Ava Mesader qu'on lit dans le matin. Et Maharah Shnia Shel Ktoret, qu'est-ce qu'on fait? À quoi servait ce bûcher? À faire brûler sur le Misbéach, parce que la Torah nous a dit de prendre du feu du Misbéach et d'avec lui de faire brûler la Ktoret. Alors maintenant. On va d'abord, on a déjà allumé un premier bûcher ici. Maintenant, quand on a fait le deuxième tirage au sort pour désigner qui allait faire la shrita, on a aussi désigné deux Kohanim qui est entré dans le Echal pour vider les cendres de la menorah et vider les cendres du Mizbeach Hazav, du Mizbeach Ktoret. L'autel, on faisait brûler l'encens. L'encens, on faisait brûler à l'intérieur. C'est un petit autel qui faisait une taille de une amas sur une amas, un petit carré, pas comme le gros monument qui était le grand Mizbeach qui faisait 14 mètres sur 14, enfin, 28 amas sur 28 amas. Ok, donc, maintenant, on a déjà donc évoqué deux choses qu'on a déjà appris tout au long de la Maseret Tamid. On a déjà évoqué le fait qu'on a allumé un bûcher ici, on a évoqué aussi le fait qu'on a vidé les cendres du Mizbéach, et maintenant, dans la Mishnah Bet de notre Pérec, on a découvert qu'on allait tirer au sort, qu'on tire ensuite au sort, celui qui allait offrir, faire brûler la Ktoret sur l'autel. C'était pas celui qui vidait les cendres du Mizbéach, c'était deux travaux différents, deux avodot différents. D'accord? Maintenant, on a désigné, dans la Mishnah d'Alet, on avait vu qu'on a sorti le kaf avec dedans le petit bazar, la petite cuillère où il y avait dedans l'encens, qu'il devait la prendre et la faire entrer pour faire brûler l'intérieur. Maintenant, bien évidemment, pour faire brûler de l'encens, il faut de l'encens, mais il faut aussi du feu. Alors c'est justement ce que la Mishnah va nous apprendre, qu'il va y avoir un autre Kohen qui va s'occuper de prendre du feu d'ici, et de l'amener, comme ce qu'on va voir dans la prochaine Mishnayot, pour un, il va amener le feu, et l'autre, il va amener l'encens. Maintenant, ce travail d'aller chercher le feu, d'aller chercher des braises brûlantes, alors, il n'y avait pas de tirage au sort. La Mishnah, elle va nous enseigner, justement, on commence tout de suite, Mishezacha Bamarta, celui qui a eu le droit, le mérite de recevoir la Marta. Alors, en fait, si vous faites attention, d'abord, je vous renvoie un petit peu en arrière. Regardez que dans la Mishnah Bet, on a juste tiré au sort celui qui allait faire à Marlem, Chadashim l'Aktoret, Bouva Fissou. On faisait un seul tirage au sort sur celui qui recevait l'Aktoret. Et puis après, il y avait une marque parce qu'il y avait un autre tirage au sort pour faire monter les membres sur le Mizbeach. Il n'y avait pas de tirage au sort pour celui qui allait prendre la Marta. La Marta, c'est l'appel où est-ce qu'on met les cendres. Réellement, le Barthanoï nous explique qu'en fait, il n'y avait pas de tirage au sort pour cette personne-là qui allait prendre les cendres, mais c'était. Celui qui avait été désigné pour la Ktoret, il prenait son copain qui était à côté de lui. Et Tosot Yomtov nous rapporte donc Tosot, en réalité, il pouvait prendre n'importe qui. Si il avait une affinité avec un copain de la Hazara, il dit, allez, vas-y, j'aime bien travailler avec toi. Viens, on va ensemble, on va faire la Ktoret. Il pouvait aussi le prendre. Ok? Donc maintenant, je reviens dans les mots. Michel Zachaba Marta, celui qui a été désigné pour prendre l'appel, mais en fait, on a dit que c'était pas. Il n'a pas été désigné par tirage au sort. Il a été plutôt nommé par celui qui allait faire la Ktoret. Eh bien, Natal Martat Akesef, il devait prendre
la marta de kesef. Une marta, c'est une pelle. D'accord. Être roté les gerhalim, c'est ramasser les braises. Marta, roté, c'est le même mot. Donc Natal marta ta kesef, il prenait la pelle qui était en or, en argent. Ve'ala les roches à misbeach. Il montait sur le misbeach. Ouais, donc sur le kevesh. Ufina et agerhalim heilach veheilach. Il repoussait les gechalim, les braises, d'en haut, et de ci et de par là. En fait, il voulait en fait atteindre les braises qui étaient plus à l'intérieur, qui étaient plus brûlantes. Vechata, et il les ramassait. Il ramassait donc une belle pelle de braises, avec tout d'abord cette première marta, cette première pelle qui était en argent. Yarad, il redescendait ensuite du kevesh. Ve'eran, les torchelzav, et il les transvasait dans une autre pelle qui était en or. C'est-à-dire qu'en fait, la Mishnah nous enseignait tout simplement que le principe, il est de prendre les braises d'ici, de les faire entrer à l'intérieur. Maintenant, ces braises-là, il faut les prendre sur une pelle en or pour les faire entrer. C'est ça le kavod d'Hachem, de prendre des beaux ustensiles en or. Malgré tout, on ne veut pas que tu ailles prendre avec la pelle en or directement du bûcher parce que l'or, il va s'abîmer, il va à la longue, il va se ronger complètement. Donc en fait, tu vas avec une pelle en argent, et tu transvases ensuite dans la pelle en or. Et maintenant, il y a une chose qui n'est pas tellement écrite dans la Mishnah, ici, bien que, disons qu'on l'avait déjà vu une fois. Non, ça ne va pas être précisé. Et donc il la mettait dans une pelle en or, et la Mishnah me dit, on va le faire sur ce mot-là tout de suite, « Nitpazer memena kikav gechalim » il y avait un volume de 1 cave de braise qui s'éparpillait par terre. Et là, on explique, on va parler un petit peu de quantité. Il fallait prendre une pelle, en fait, de 3 caves. La pelle en or avait une mesure de 3 caves. D'accord? Vous vous rappelez Escalav Goudo? Vous inquiétez pas, on va parler dans cette Mishnah, on va faire des calculs un peu compliqués. Mais Escalav Goudo, Efa, c'est à cave log Beitza. Beitza, c'est un 9. Et les coefficients entre eux, c'est Goudo. 3, 6, 4, 6. Escalav Goudo, Efa, c'est à cave log Beitza. Donc pour le moment, elle fait 3 caves. Un volume de 3 caves. Si vous voulez traduire ça en beitza, ça va nous faire l'équivalent de enfin, c'est à cave, log beitza. Donc un cave, ça fait 6 fois 4 d'eau. 6 fois 4, 24 œufs, un volume de 24 œufs. Il y avait 3 fois ça. Donc ça fait 72 œufs. Ça fait un volume de 72 œufs à peu près. Et voilà, ça c'était la quantité de braise qu'il fallait prendre pour faire entrer à l'intérieur. Maintenant, on a un intérêt, quelque chose de très important qu'on remarque dans toutes ces Mishnayot, c'est qu'il faut entrer avec une pelle qui est pleine, autant qu'il fallait rentrer avec ensuite avec la ktoret, un ustensile qui est plein. C'est le même principe aussi qu'en ce moment j'écris la lachot du Kosel Bracha. On parle aussi du principe toujours remplir jusqu'en haut. C'est comme ça le derrière du kavod. C'est comme ça qu'on donne de l'honneur aux choses, de faire entrer quelque chose de plein. Donc, même principe, pour pouvoir arriver avec une pelle en or bien pleine, alors il fallait d'abord, on partait d'abord ramasser avec une pelle en argent, qui avait un volume de 4 caves, et que on redescend ensuite en bas du kevesh. Une fois qu'on était en bas, on transvasait les 4 caves dans la pelle qui faisait 3 caves, donc forcément, il y avait quoi? Il y avait un cave qui était un peu perdu, qui tombait par terre. Nitpazer mimena ke cave gechalim, il y avait un cave de braise qui était éparpillé, et donc, vayam et chabdan la hama. Et on le balayait ensuite dans la Hama. Hama, c'était, il y avait un petit ruisseau qui passait dans le Beth Amikdash, qui n'est pas dessiné, je ne sais même pas où est-ce qu'il est exactement. Logiquement, je crois qu'il passe par ici, je ne sais pas où est-ce qu'il est exactement. En tout cas, il y avait un petit ruisseau, on l'utilise beaucoup dans les Mishnayot. Avec ça, on nettoyait la Zara, on bouchait la sortie, et puis d'un coup, la Zara, elle se faisait remplir d'eau. Après, on rouvrait la sortie, on évacuait toute l'eau. On rencontre plusieurs fois qu'il y avait ce petit ruisseau qui passait dans le... Ça s'appelle la Hama. La Hama, comme une coudée, parce qu'en fait, elle avait une largeur d'une coudée. Et donc les restes de braise, on les balaye là-dedans. Je récapitule très succinctement. On a désigné celui qui doit offrir la ktoret. Il va désigner une personne qui va l'accompagner pour prendre les braises. Pour prendre les braises, il faut l'amener dans une pelle en or bien remplie. Pour pouvoir remplir la pelle en or très bien, il fallait surtout pas partir avec la pelle en or et la mettre dans le feu parce qu'on va l'abîmer. On partait prendre avec une autre pelle en argent et qu'on prenait un volume plus grand. Et on redescendait ensuite tout en bas. Une fois qu'on était tout en bas, alors on l'a transvasé dans la pelle en or, comme ça la pelle en or elle est bien pleine, et de cette distance ensuite on pouvait entrer directement au Echal, sans en faire tomber par terre.
Et comme ça, donc, maintenant, quand on transvasait, on perdait un peu des braises, ça tombait par terre, on les prenait, ensuite on les repoussait pour les faire tomber dans la hama et qu'elles partent directement avec le petit ruisseau. Pourquoi est-ce qu'il fallait pas les laisser par terre? C'est pas qu'une question de propreté, c'est pour ne pas que les Kohanim se brûlent les pieds. Comme ça, c'est rapporté dans le Vartanora. Maintenant, problème. Le Shabbat aussi, on faisait la clorette, vous savez. Maintenant, il y a un problème. Le Shabbat, on n'a pas le droit d'éteindre les braises. Donc si tu vas commencer à balayer les braises pour les amener dans la hama, dans le petit ruisseau, tu vas les éteindre. Il ne fallait surtout pas les éteindre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au Shabbat, Aya Kofé Alehet Psarter. Un nom un peu dur à dire, mais le Shabbat, il le renversait, il le pliait sur lui, un Psarter. Psarter, c'est, regardez dans le Targum, quand on verra dans les parachutes de Tetzavé, de Trouma plutôt, et là-bas, quand on parle de faire le Shulchan, il y a marqué Ke'arotav, Ke'arotav, il y a marqué Psarteravayu, quelque chose comme ça. Psarter, c'est en fait une grande Ke'ara, une bassine. Une bassine qui fait un volume. Au Psarter, Haïta, Kli Gadol, Marzeket Leter. Le Psarter était un très grand ustensile qui avait une taille de 1 Leter. 1 Leter, c'est un demi-courbe, soit 15 caves. 15 CA plutôt. 15 CA pour vous donner, alors là on va avoir des chiffres énormes. Allez, on fait le calcul ensemble, ne vous inquiétez pas, je l'ai noté devant moi, comme ça on ne va pas se perdre. Il y a donc, on a dit Eifa, CA, cave, log, beitza. Ce qui m'intéresse, on va comparer ça avec des œufs, d'accord? Comme ça on peut réaliser un petit peu ce que c'est un œuf. On a CA, cave, log, beitza. Avec comme coefficient 4, 6, 4. Udo. 6 x 4, 24. X 6, 144. Une CA, ça fait 144 œufs. 15 CA va me faire une quantité de 2160 œufs fois 54 cm3, ça va me faire l'équivalent de 116 litres. Une grosse bassine de 116 litres. Ouais, vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ça fait une baignoire, c'est à peu près 300 litres, je crois. Imaginez une petite bassine de cuisine qu'on utilise, ça va entre 20 et 30 litres. Donc vous imaginez, c'était une sacrée bassine, quoi. Qui était, je ne sais pas en quelle matière elle était, je ne sais pas, est-ce qu'elle était en cuivre, en or, je ne sais pas. Au Psarter, je traduis maintenant. Au Psarter, Haïta Kli Gadol Marzeket Leter. Ce Psarter était un très grand ustensile qui avait un volume de 1 Leter, donc on a dit de l'équivalent de 116 litres, plus ou moins, selon le chiour de Rabbi Chaim Naïr. Selon le Chazonish, ça nous fait presque doubler la dose. Au Shte Charcherot Hayuba, et il y avait dessus deux chaînes. Achat shu mosher ba veyored, v'achat shu oches ba milemalan, bijil shelot itgalgel. La Mishnah nous présente un petit peu le Psarter à l'envers. Elle nous dit pourquoi elle avait des chaînes, mais sans savoir qu'est-ce qu'on fait avec le Psarter. Donc en fait, je vous dis tout de suite ce qu'il va y avoir à la suite. C'est qu'en fait, on utilisait le Psarter, ce très gros ustensile, qui était en métal, je ne sais pas quel métal. On l'utilisait pour vider les restes des cendres du Mizbeach. Il y en avait une tonne de cendres. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de cendres. Ouais. Donc, on remplissait ce gros ustensile, ce Psarter, avec toutes les cendres. Maintenant, pour le faire descendre, vous imaginez bien que le kevesh, vous le voyez ça, c'est un tout petit morceau de quelques centimètres sur la feuille, mais en réalité, imaginez que ça monte jusqu'à l'équivalent de 10 mètres, une grande pente qui est allée sur une distance de 16 mètres. C'est un sacré chemin à faire, quoi. Alors, pour pouvoir vider le misbéach, on prenait cette grosse bassine, on vidait toutes les cendres dedans, et puis il y avait deux kohanim qui allaient la tirer. Maintenant, pour la tirer, alors ça se passait comment? Il fallait deux chaînes. Un qui prend par devant et qui la tire. Mais attention, imaginez une sorte de très gros chaudron. Si vous le tirez un peu trop violemment, il va se renverser sur lui. Donc il fallait un deuxième Cohen qui était derrière avec une autre chaîne et qui faisait en sorte que cette grosse bassine ne se déséquilibre pas. D'accord? C'est ce que la Mishnah enseigne. Achachio Mosher Bavioed, un avec laquelle il tire pour descendre, mais. Et un avec laquelle il la retient depuis en haut, bijul chez l'otit galgel pour ne pas qu'elle va faire des roulades. Ou shloshad varim, ah non, maintenant, à quoi servait ce psarter? Ou shloshad varim aita meshameshet, ce psarter servait à trois choses. Kofin ota algabei gechalim, on l'a. C'est vachement étonnant, on présente tout à l'envers, je suis épaté par cette Mishnah. Mais en tout cas, on l'a renversé dessus sur les cendres. C'était première utilisation. Deuxième utilisation, on va à la chéretz b'shabbat. C'est s'il y avait parfois, il y avait un reptile mort. Ça pouvait arriver à l'époque. Un reptile ou un achbar, un cholède plutôt.
Toutes sortes de reptiles morts qui peuvent rendre impurs. Or, on peut devenir impur. Alors, quand on est en Chol, on se débrouille pour le faire sortir depuis tout de suite. Quand c'est Shabbat, on n'a pas le droit de le déplacer, c'est Mouktsé, il rapporte les Mefarshim. On a un cadavre donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Pour ne pas qu'il nous rende impur, on prenait un psarter, ce grand ustensile, on le renversait dessus, on le repliait on le refermait dessus, comme ça, on voyait qu'il fallait pas s'approcher là-bas. Et en plus, une troisième utilisation du psarter, comme si c'est la troisième dans l'ordre de priorité, c'est tout simplement mon redin ba, et à déchaîne, mais al gabé à mizbéar. On l'utilisait pour redescendre les restes de cendres qui étaient sur le mizbéar. Ce qui m'étonne dans cette. Vous avez bien compris, ce qui m'étonne dans cette Mishnah, c'est qu'on présente tout à l'envers. Au lieu de me dire, d'abord, une bassine, ça sert à préparer de la nourriture. À part ça, ça peut servir que quand tu as une fuite dans la maison, tu la mets, comme ça tu récupères l'eau. Mais une bassine, c'est même. Ouais, c'est ça, on a un peu retourné l'ordre. C'est-à-dire l'essentiel. Le but pourquoi il y a cet ustensile, c'est essentiellement pour, je suppose, quoi. Essentiellement pour faire redescendre les cendres du misère. En plus de ça, on l'utilisait pour recouvrir sur les éventuelles braises ou chérettes ou reptiles morts qui étaient dans la Zara. À part ça, si j'avais une autre question aussi, je suis un peu étonné de prendre une bassine tellement grande de 116 litres pour un peu de braise renversée par terre ou bien pour un petit reptile mort. Je suis un peu étonné par la quantité après. Ouais, vous imaginez quand vous avez un petit truc à recouvrir, vous allez prendre presque une petite baignoire et la renverser dessus. Mais bon, peut-être que concrètement, parce qu'en fait, on veut que même si toutefois on met un coup de pied dessus, que ça ne va pas encore toucher ça va pas encore le toucher directement. Donc on voulait qu'il soit assez large, j'imagine. C'est pour ça qu'on utilise un ustensile aussi large. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Toub.